salon des maires, des élus et des décideurs publics. Nous avons voulu aller au-delà de la sphère des collectivités, y mettre bien sûr les administrations, qui sont des administrations qui sont aussi des acheteurs publics. Le but, c'est de mettre en contact les décideurs publics, collectivités, élus, administrations, qui sont en amont de la commande publique et qui font vivre une partie de l'économie. Et ce sont quand même des chiffres d'affaires assez importants pour l'économie globale de la Guadeloupe. Ce salon est une occasion importante d'échanger entre clients et fournisseurs, mais aussi de permettre aux collectivités d'améliorer leurs services par, bien sûr, les apports des fournisseurs, les nouveautés, aller vers aujourd'hui des offres peut-être qu'elles ne connaissaient pas, des services qu'elles ne connaissaient pas. Et puis, l'autre volet du salon, ce sont les thématiques qu'on traite, où là, il y a des débats animés avec de l'expertise. On traite de problématiques qui concernent les collectivités, notamment la question du cyberrisque, et qui est un point fort de cette manifestation. Et deuxièmement, demain, les assises en Guadeloupe, mais des assises nationales qui vont se faire à l'intérieur, bien sûr, de cette manifestation sur les délais de paiement. Les délais de paiement qui, on sait, aujourd'hui comptent énormément pour la trésorerie des entreprises. Donc voilà l'importance d'une manifestation comme celle-là. Alors, vous avez assisté ce matin justement au débat sur la cybercriminalité. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Alors, nous avons retenu premièrement que la cybercriminalité est un fait aujourd'hui qui est difficile d'écarter. C'est une réalité. Il faut vivre avec, donc ça veut dire qu'il faut se protéger. Se protéger, c'est d'abord avoir des comportements de prudence, d'avoir des process dans les prises de décision. Et puis, pour nous, collectivités, comprendre qu'il faut mettre un budget pour se protéger, donc pour mettre les antivirus, pour mettre les protections, pour acheter les logiciels les plus performants, et que ça a un coût, certes, mais qu'une cyberattaque serait beaucoup plus coûteuse. Eh bien, je crois que c'est très important d'avoir ce salon avec autant de possibilités de connaître justement les différentes entreprises, des partenaires qui sont sur le territoire. Parce que très souvent, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de personnes ressources sur notre territoire. C'est vrai que nos collectivités ont besoin de services et quelquefois, bon, ils font des appels à candidature par les marchés publics. Mais des fois, ils ont besoin aussi de conseils pour mieux appréhender les différents besoins qu'ils ont. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises qui font aussi du conseil, de l'accompagnement et c'est important pour les collectivités de pouvoir compter sur des entreprises de proximité parce que cette proximité permet de réagir très vite, de réajuster très vite et d'avoir des services aussi parce que nous sommes une île, un archipel même et quelquefois on a besoin de solutions rapides. Donc c'est vrai que ce soit dans le numérique, dans tous les différents services qui concernent les collectivités, on a besoin de prestataires. Et quand on a les prestataires de confiance, à proximité, on sait où ils sont, on sait où les trouver, on connaît les personnes, donc on sait quand même qu'on a la qualité en même temps, donc on peut à tout moment compter sur des entreprises locales. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours parce qu'il y a de nouvelles entreprises, il y en a qui étaient en difficulté par rapport à la pandémie, et j'espère vraiment qu'elles vont se remettre vraiment dans le circuit parce qu'on a besoin de toutes les entreprises, parce que nous sommes sur un territoire qui a besoin de l'ensemble des entreprises, et quand on regarde bien, que ce soit avec la pandémie, mais par rapport au risque naturel majeur, quelquefois, nous sommes vraiment en autarcie, nous sommes là. Donc, personne ne peut arriver. Donc, on a la possibilité d'avoir sur place beaucoup, beaucoup, et là, j'ai découvert des entreprises que je ne connaissais pas. Donc, beaucoup de services, beaucoup d'entreprises qui font vraiment des prestations de qualité d'après les informations que j'ai eues. Et je crois qu'il est important que ce salon des maires réponde également à ces besoins-là. Parce que c'est gagnant pour les entreprises qui se font connaître à cette occasion, mais gagnant aussi pour les collectivités qui voient et qui rencontrent des personnes, qui ont des échanges, qui ont des documents et qui pourront vraiment reprendre contact pour des renseignements complémentaires si nécessaire.